Bonjour, bienvenue à Cuba. Bonjour, je m'appelle Katia et directrice de tour opérateur spécialiste sur Cuba, Sol Latino. Qui c'est Sol Latino? Sol Latino est un tour opérateur spécialiste sur la destination avec une équipe de professionnels à Paris, dans la plupart d'origine cubaine, et avec une grande expérience sur la destination. Et il y a une autre partie qui se trouve à Cuba, de La Havane jusqu'à Santiago de Cuba et Baracoa, pour suivre tous les clients pendant tout leur voyage pour que tout se passe bien. Cuba, c'est une île magnifique. C'est une île qui attire tout le temps, qui séduit, qui attrape. C'est une île très culturelle. Et c'est une destination très complète. On propose des formules très flexibles, adaptables. On va de l'autotour, du voyage individuel jusqu'au groupe et voyage organisé. Sol Latino essaye de proposer des circuits qui sortent des sentiers battus avec des visites originales. L'île de Cuba, c'est fantastique, c'est avec un peuple très accueillant. Quand on est dans la rue, on a l'impression de voyager dans le temps. Une vieille voiture américaine, un bon cigare, un bon café, une bonne musique, la belle danse. Sincèrement, c'est un pays très très complet où les gens qui peuvent satisfaire le plus exigeant de tout. Sol Latino est une structure qui travaille, qui offre un service très personnalisé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une équipe de professionnels, de la plupart d'origine cubaine, qui ont une grande expérience sur la destination, qui connaissent comment ça fonctionne, qui connaissent la mentalité des Cubains, et que dans la plupart des cas, ont déjà travaillé même à Cuba. Après, quelque chose qui est très important, c'est d'avoir une bonne équipe sur place. Et ça aussi, on l'a. Donc nous, on suit les clients de A à Z. On commence à Paris et après, la deuxième partie se fait sur place à Cuba. Mon île, elle est magique. Mon île, elle est très culturelle. Il y a des villes patrimoine tout au long de l'île qui sont magnifiques, des villes coloniales. La Havane, Santiago de Cuba, là où on se trouve actuellement, Trinidad, Baracoa, Cienfuegos. Il y a des paysages naturels comme la vallée de Viñales, comme Baracoa, qui sont super. Et ça, c'est un charme unique. Il y a des plages superbes, les Cayos à Cuba. Il y a plus de 1400 îlots autour de l'île. Donc tout ça fait un ensemble qui attire beaucoup les gens. Mais le plus important de Cuba, c'est le peuple. Le climat. C'est cette joie de vivre, c'est ce sourire, c'est un peuple communicatif, c'est un peuple généreux qui n'a pas peut-être énormément de choses, mais que le peu qu'il a, il le partage. Et ça, c'est super important et ça donne l'ambiance dans l'été.